Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Sonic Frontier. Alors, cette vidéo fait suite à une autre vidéo où je vous avais sorti, donc il y a 2 jours, une vidéo sur la date de sortie de Sonic Info, une vidéo info sur la date de sortie de Sonic Frontier. Donc, normalement, donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc hier, il devait y avoir eu des informations. Il devait apparemment avoir, donc c'est à prendre avec des pincettes, hein, mais apparemment, il devait y avoir de nouvelles informations sur un trailer de Sonic Frontier et la date de sortie de Sonic Frontier. Malheureusement, nous n'avons pas eu de trailer et de date de sortie aujourd'hui, mais apparemment, il devrait potentiellement y avoir dans la semaine. Donc, nous allons discuter rapidement de ça, mais nous allons surtout voir d'autres informations que nous avons eues, notamment sur l'EGX 2022 qui devrait se tenir en septembre. Donc, c'est un salon où on devrait avouer les. Où le public pourra tester Sonic Frontier. Nous allons reparler rapidement de ça. Nous allons également parler d'un artwork, d'un nouvel artwork de Sonic Frontier qui vient d'être dévoilé il y a 2 jours. Donc sans plus attendre, commençons. Alors voilà, commençons. Donc Sonic Frontier sera jouable pour la première fois à l'EGX 2022. Donc, je reviens sur cette information rapidement. Donc Sonic Frontier sera présent et jouable par le public à l'EGX de cette année. L'entrée controversée dans la légendaire propriété intellectuelle Sega a divisé la communauté de joueurs en 2 coins. Nous allons parler rapidement de ça. Donc Sonic Frontier est le premier jeu Sonic à monde entièrement ouvert qui permet aux joueurs de se déplacer librement entre les différents lieux de l'unité plutôt que de progresser dans une série de niveaux, alors que les jeux Sonic en 3D ont permis à ceux qui les contrôlent d'explorer une série de vastes zones. Celui-ci pousse cette expérience à un niveau plus élevé. Donc, l'EGX se tiendra du 22 au 25 septembre au centre EXCL de Londres. Si vous voulez savoir pourquoi le jeu fait tant de bruit, c'est l'occasion idéale de le découvrir par vous-même. Donc, c'est à ce moment-là où les journalistes et les testeurs pourront tester le jeu, mais apparemment, ce sera aussi ouvert au grand public. Donc, c'est là aussi la première fois que le public aura l'occasion de le tester. Donc les fans de Sonic, impatients d'être parmi les premiers à contrôler Sonic dans sa nouvelle aventure, ont donc de bonnes raisons de s'y rendre pour ceux qui sont en Angleterre, à Londres, parce que ça se déroule bien à Londres. Bien entendu, d'autres jeux seront également présents pendant tout un week-end. Il y aura des stands d'exposition de jeux, des événements et bien d'autres choses à découvrir. Donc voilà ce qu'il y a donc pour ce sujet-là. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, hier il devait y avoir de nouvelles informations sur le trailer de Sonic Frontier et également sur la date de sortie de Sonic Frontier. Et malheureusement, nous n'avons pas eu, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, de nouvelles informations sur un trailer et sur la date de sortie. On devait même avoir les précommandes, c'était un leak qui a été sorti. On n'a pas eu ça aujourd'hui, mais on devrait. Mais apparemment, selon les leaks et les rumeurs, on devrait y avoir de nouvelles informations dans la semaine. Après, quoi qu'il en soit, même si c'est pas dans la semaine, à mon avis, ce serait sûrement durant le mois d'août. Ou durant le mois de septembre, vraiment au plus tard, mais je pense qu'on aura sûrement d'autres informations cette semaine. Mais ce qui est sûr, c'est si on a de nouvelles informations cette semaine, je vous ferai une vidéo, bien entendu, sur Sonic Frontier. Donc maintenant, nous allons passer à autre chose sur Sonic Frontier. Donc Sonic Frontier, un nouvel artwork dévoilé. Nous allons parler rapidement de ça. Donc je vais le mettre comme ça. Je préfère vous montrer ça rapidement. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Bon, je suis vraiment désolé, mais normalement. Voilà, donc c'est fait. Donc voilà le nouvel artwork de Sonic Frontier. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, c'est pendant le montage, il y a eu quelques petites difficultés, mais j'ai essayé de vous le montrer au mieux. J'espère que vous voyez bien l'image en question. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien comme ça. Donc voici le nouvel artwork de Sonic, de Sonic Frontier qui est dévoilé. Sega dévoile aujourd'hui un nouvel artwork pour Sonic Frontier qui ferait une belle jaquette. C'est ce qui est écrit sur le site. Donc c'est vrai que ça pourrait faire une belle jaquette, même si c'est vrai que ça rentre pas vraiment dans le thème sombre de Sonic Frontier, dans le thème qui est plutôt normalement doit être sombre. Mais bon, ce serait plutôt pas mal. De toute façon, on verra de ce point de vue-là comment ce serait. Mais sinon, le nouvel artwork de Sonic Frontier a l'air plutôt pas mal.
Je trouve que c'est plutôt bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez donc de cette nouvelle artwork sur Sonic Frontier. N'hésitez pas également à me dire en commentaire donc ce que vous pensez de la news que je vous ai dit donc précédemment sur le test Sonic Frontier. Je précise de vous dire maintenant. Donc mettez bien en dessous dans en commentaire de la vidéo ce que vous pensez de tout ça. Et restez bien également jusqu'à la fin, hein, je précise, mais restez bien jusqu'à la fin. Donc je vais vous montrer ça. Donc ça m'a l'air plutôt intéressant. Regardez donc la nouvelle jaquette. Enfin c'est pas une jaquette officielle, hein, je précise, c'est pas officiel. Mais potentiellement ça pourrait, ça va pas, ça va sûrement pas ressembler à ça, mais ça pourrait ressembler à ça. Donc là c'est plutôt un concept qui a été fait. Donc c'est vrai que ça a l'air plutôt pas mal. Hein, donc là on voit avec l'image comme ça. Après c'est vrai que moi je dirais que ça n'avait pas vraiment un thème sombre. Comme Sonic Frontier devrait avoir un thème plus sombre que les précédents Sonic. La jaquette ça rentre pas vraiment dans ce truc-là, mais ça peut être pas mal, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de de ce concept de jaquette que j'ai vu donc sur que j'ai vu sur internet, ça m'a trouvé pas mal, c'est pour ça que je vous ai cité ce site-là. Donc sinon ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc je vais vous remettre ça. Donc voilà. Et voilà, donc je vous remets des images de Sonic Frontier. Donc j'espère que bah, ça vous a plu. Donc je vais essayer de vous dire donc tout ça sur Sonic Frontier. Donc ce qui est à retenir sur cette vidéo, c'est que Sonic Frontier sera jouable pour la première fois à l'EGX 2022. L'EGX 2022, c'est un salon qui va se tenir au mois de septembre, où les fans de Sonic, le public et également les journalistes pourront tester le jeu. Donc ça peut être une bonne chose pour ceux par exemple qui sont à Londres, parce que le salon se déroule à Londres. Après, voilà, on verra bien les retours qu'il y aura, parce que là, ça va vraiment être le grand public qui va tester le jeu. Donc, on verra vraiment, on pourra sûrement avoir des informations sur les retours qu'on aura donc sur Sonic Frontier. Sinon, bah, n'hésitez pas à regarder également ma précédente vidéo que j'avais sortie sur la date de sortie de Sonic Frontier, si vous ne l'avez pas déjà regardée. Bah, sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que le montage s'est plutôt bien passé. J'espère que vous avez bien pu tout voir pour tout à l'heure, pour la nouvelle artwork que je vous ai montré sur Sonic Frontier. Ça m'a trouvé vraiment pas mal de vous montrer ça. Sinon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça s'est bien passé, que j'espère que vous avez passé un bon moment. Bah, sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi bien en commentaire ce que vous pensez, mettez un petit commentaire, de toute façon je pourrais bien vous y répondre. Bah sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo qui vont arriver sur Sonic Frontier. Bien évidemment, s'il y a de nouvelles informations, je vous ferai une vidéo donc dans la semaine ou au mois d'août, quand il y aura une nouvelle information, j'essaierai de faire une vidéo dans la foulée ou un jour après. Bah sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ciao!